En écrivant ce livre sur Ambroise Paré, j'ai surtout cherché à mettre en lumière le véritable roman qu'a été la vie aventureuse de ce chirurgien des armées et des rois, plus que les progrès qu'il a fait faire à la chirurgie de son siècle. Né vers 1500-1510, on ne connaît pas sa date de naissance exacte, et mort en 1590, il a traversé la quasi-totalité de ce siècle de la Renaissance, si riche en événements, ou en couleurs, et en fureurs. Ayant commencé sa carrière comme simple barbier, car ne sachant pas le latin, il ne pouvait être docteur, il a accédé au grade de chirurgien du roi, et même, par la suite, il est devenu conseiller du roi. Il a servi 5 rois successifs, de François Ier à Henri III, et pendant plus de 3 décennies, il a participé presque sans discontinuer, hormis quelques courts intermèdes de paix, à la quasi-totalité des batailles qui opposèrent les armées des rois de France à celles de l'empereur Charles Quint, du duc de Savoie et du roi d'Angleterre Henri VIII. Il a innové et son nom est associé à 2 progrès considérables de la chirurgie de guerre de cette époque. D'abord, il a cessé de verser de l'huile bouillante dans les plaies par arme à feu. Ensuite, il a procédé à la ligature des vaisseaux sanguins dans les amputations pour arrêter l'hémorragie, au lieu de cautériser les chairs au fer rouge, 2 avancées qui ont contribué à épargner des douleurs atroces aux blessés de guerre. Il a opéré des milliers de soldats, des grands capitaines et des rois. Il en a guéri beaucoup, bien que dans sa modestie, il avait coutume de dire « Je l'ai pensé, Dieu l'a guéri ». C'est lui qui a soigné Henri II de sa terrible blessure à la tête et à l'œil lors de la funeste joute qui lui fut fatale. C'est lui qui a sauvé le duc de Guise d'une terrible blessure à la face qui lui valut par la suite le surnom de Balafré. Il a lui-même échappé à la mort à maintes reprises. Il a franchi en commando les lignes ennemies pour entrer dans des villes assiégées. Il a été fait prisonnier. Il a survécu à une morsure de vipère, à une tentative d'empoisonnement et à une fracture ouverte de la jambe à une époque où l'on ne disposait d'aucun moyen efficace de lutte contre l'infection et où ce genre de blessure conduisait plus souvent à l'amputation qu'à la guérison. Il a même survécu à la peste qu'il a affrontée maintes fois et dont il a été atteint. Il en a guéri avec une grande cicatrice au ventre. Enfin, la nuit de la Saint-Barthélemy, suite à l'attentat contre l'amiral de Coligny qui fut d'ailleurs le déclencheur du massacre, il se trouvait dans la demeure de l'amiral pour le soigner de ses blessures au moment où les soudards des Guises sont venus l'assassiner. Et il n'a dû son salut qu'à la fuite par les toits.